Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre cher pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, avant de commencer, je voudrais remercier d'abord tous qui sont en train de m'appeler, tous qui sont en train de m'écrire et de me demander mon point de vue sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. J'espère que nous n'allons pas nous éloigner de nos objectifs, nous n'allons pas nous éloigner de notre ligne de conduite, parce que ici nous ne sommes pas une magazine d'informations. Ça, loin de nous, nous ne traitons pas les informations, mais nous regardons l'information qui se passe en regard avec ce que nous nous sommes dit, la constitution de notre pays. L'objectif de cette émission, mes chers amis, c'est de réfléchir sur comment nous pouvons reconstruire le pays. Et nous parlons beaucoup plus sur les solutions que sur les questions d'actualité. Nous réfléchissons sur comment est-ce que nous pouvons sortir de ce marasme afin de remettre notre pays sur la voie de développement. Pourquoi nous avions fait ça? Parce que nous avons trouvé que sur ce terrain-là de l'actualité, de faire le journalisme de l'actualité, ça ne nous avançait pas. Nous voulions que nous puissions aussi apporter notre solution, parce que beaucoup sont en train de se plaindre. On se plaint sur toute la ligne, sur tout ce qui se passe, mais peu apportent leur contribution en disant que voici ce que nous pensons que ça peut se faire. Ici, sur Contact Pro Life, justement, nous parlons des solutions qui peuvent sortir notre pays de ce marasme dans lequel nous sommes. Nous allons vous poser des questions et puis nous allons vous dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Au regard de ce qui se passe là, que dit la Constitution? Bandeko, tout le caca solution, au lieu de commencer à dénoncer, les dénonciations, ça ne nous a jamais amené à rien. Alors, voilà un peu ce que j'avais à dire pour l'introduction de cette émission d'aujourd'hui, donc magazine Nabiso Lelo. Tokolobela Likambwana, donc Monisco, qu'est-ce qui se passe na Katia Monisco? Tozo kende na mois de décembre, oyo, il faut pas renouveler Likambwa Monisco, pas renouveler mandat na Ango. Est-ce que c'est possible qu'on puisse renouveler mandat à Monisco? Nous allons nous poser la question. Et puis pourquoi est-ce que... Quel est le regard de la population vis-à-vis de la Monisco? Monisco, ça, ming na est la République démocratique du Congo, ça fait 20 ans. Alors, wanande ko zala sujet à liboso na oyo hold up toko esempe ko réfléchir so kita ezwami et pesami to so to sale la ne wana. Bon, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de nos deux sujets. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC Albert Yuma devant la justice ce vendredi. Et puis Beni, un mort et des disparus dans une attaque armée à Ouicha. On va sur actualité.cd. Félix Tshisekedi, certains parlent de la révisitation des contrats avec les entreprises minières. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit de la rééquilibrage. Et puis, Congo Hold Up, Congo n'est pas à vendre, lève l'option de porter plainte contre les pilleurs de biens publics, notamment Dan Gettler, qui gagne 254 000 dollars par jour en RDC. On va sur Congo Profond, Assemblée nationale, l'état des lieux de la gratuité de l'enseignement. Tony Mwaba attendu le mercredi 1er décembre 2021 au Parlement. Et puis, Mine Lubumbashi, l'entreprise minière Rwashi Mining accusée de plusieurs violations des droits humains. On va sur 7 sur 7.
Zambi Félix Tshisekedi et Hakainde Hichilema, déterminé à résoudre les différents frontaliers au niveau de Tanganyika. Et puis la commission de défense et sécurité fera un plaidoyer à l'ECOFIN pour majorer le budget alloué notamment à l'armée et la police. On va terminer sur Radio Okapi, Sud Kivu, une émission de pacification à Shabunda pour réconcilier les communautés. Question orale au ministre de la Défense sur la recrudescence de l'insécurité dans la province du Tanganyika. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, chers amis, l'actualité tourne toujours autour de cette histoire-ci de hold-up. D'abord, Nazuba, question est belée, surtout des amis qui se trouvent au Canada. Ils m'ont posé les questions, ils m'ont demandé. Nous avons aussi causé longuement avec certains d'entre vous qui ont pris la peine de m'appeler pour savoir un peu ce que je pensais de cette histoire. Ngai position na ngai ngoyo bandeko. Parce que na moni à peu près une affaire de une quinzaine de questions. Puis je me suis dit, ma question, oh, ceux qui n'ont répondu en haut, je lis, mina bisoma kabiote. Mais si ezio anja ku répondre kila email, kila tweet, ni retweeté, ni pas de point de vue, aita quoi possible, bandugu yangu, munisame ku ile point. Mais ce que nous disons ici, mon point de vue sur ce hold-up, c'est un point de vue vraiment yangai moko. Et ça, point de vue, nangai moko. Ça, je ne peux pas dire que ça, la vérité, non. Moi, je dis que mon point de vue, qui peut être aussi discutable, bino peut poser un point de vue, nabino. Dans la dernière émission, j'ai posé la question, pourquoi maintenant cette histoire? Et les amis de l'IDPS qui se trouvaient à Kinshasa, dont, avec qui nous avons parlé, je leur ai posé la question, pourquoi maintenant? Alors, moi, je pense que, et là, il y a eu un justement pour na kokoboma accord wana ya Kabila na Tshisekedi. Vous allez remarquer que accord na bango et tikala, même si Félix avait dit que non, à Corouane Sili, tout ça. Non. Félix est venu justement accompagner, donc, à reprendre Kibiloko au Kabila Bande Kosala. Je crois que c'est ça le deal qui a été fait. Parce que nous avons vu, il n'y a pas eu de cassure. Il y a Congo, il y a Sika, où le président Félix Tshisekedi Bande Koprenet Angwazala comme opposant. Il n'y a pas eu de cassure. Cassure est à la quitter. Nous avons vu qu'il y a eu une certaine continuité. Or, continuité, on a échappé ce changement dans mon côté. Et je crois, les maîtres, leurs maîtres, lui ont dit que non, mon cher, il y a un peu de temps qui Kabila, et donc, vous ne pouvez pas continuer à faire ça dans cet état-là. Ça, c'est mon point de vue que je suis en train de dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est entre les deux. Fragiliser Kabila pour que le système où il y a corruption, où il y a bandé qu'on implémente, et si là. Et qu'aussi la Ndengenine, par l'arrestation même de Kabila, ou bien par la cassure même de ce système-là. Or, le problème se trouve que président Asika azako bénéficier pe na babiloko wana ki moyibi wana ezako continuer jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela dans ce rapport là okoyoka ba journaliste wana balobi que non, il se pourrait que même les gens qui sont actuellement au pouvoir puissent être aussi cités na makambo oyo. Donc eko créer kaka mbilinga mbilinga. Donc moi je dis que rapport oyo est justement qu'on déstabilise Félix Tshisekedi et puis il doit réagir absolument. À quoi réagir Ndengeni? Et qu'on peut ça ma réflexion, comment est-ce que, quels sont les processus que je peux mettre en place pour casser le système Kabila qui continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui et comment est-ce que tokoya ko bimisa babilo ko na nyoso égal ça dans la société on a fictive on a qui continue à fonctionner même au sein même de il y a organisation il y a Félix Tshisekedi. Or bilan quoi n'est pas fragilisé, mais de l'autre côté aussi il en bénéficie.
aza ko bénéficier en gros pour que à s'enrichir parce que selon les dires des autres donc babylon ko oba tu ba yebite mais oyo biso batu oyo ba journaliste ou quoi que ce soit nous avons nous connaissons batuana mususu na babylon ko na mususu c'est on est en train justement de remplacer les hommes de Félix. Batunayende mtubaza ko remplacer mécanisme wana ils cherchent ils sont là justement pour continuer bon donc eko bénéficier si qu'on a bango wana eko permettre que Félix akanga Kabila te parce que cette histoire là va aussi l'aider ya ko renflouer ba poche na ye. C'est comme cela qu'il n'y a pas eu de cassure donc il fallait protéger pour que passation wana azwa système wana a continuer nango c'est comme ça wana de, ça c'est mon raisonnement wana nazolo bayango eza réflexion ngai sur le hold up ici bandeko ngai na ko s'attarder mingi te parce que nous avons la solution à donner à la fin de notre émission ici na ko s'attarder mingi te mais na répondre kaka siko si j'ai de nouveaux éléments soki na baza na ba éléments mususu na koyebisa kabino comment est-ce que je pense et comment est-ce que et loko eko kiko kende koze ko évoluer. Donc moi je m'arrête là pour ce dossier ici pour aujourd'hui mais nous continuerons à en parler. Parlons maintenant ya likambo ya nani ya Monisco. Bandeko, vous allez voir que chaque année depuis kaka ba 2013-2014 kuna ba massacre mingi ebandaka toujours na deuxième partie donc vers le mois de novembre de disons tobandaka ngo na août même na juillet donc e ba massacre belé na est depuis les 7 ans ici passé quand vous regardez le cycle ba massacre ezalaka mingi soit vers la récolte ya ba cacao tout ça ba massacre bandi vers la fin de l'année où on commence à renouveler le mandat de la Monisco. Kabila avait déjà parlé à Lubaki que Monisco fait kende. Mais quel est le rôle vraiment de la Monisco? Bato balandaka radio Okapi, j'espère que vous aviez suivi dialogue entre Congolais Oyo ndeko na biso a mwa si a anima kina ba nani ba representant Monisco na batu oyo baza kote a Luala bakuna kote a ya nani oyo baza koloba na Monisco il faut akende du nord au sud soki to uti place nyonso Monisco ezali to uti na kote a Isiro kote a Bunia ti oyo kokoma ti kote a Luala bakoto na il n'y a pas aucun peuple mutu mo kote a lingi Monisco. Dans le Kamituga, là-bas, dans le Burega, on avait chassé déjà la Monisco à Siakanga, Bila, Bisakanae, Pezonga Kuna. Bandeko, la Monisco ne nous sert absolument à rien. Nganana lobela bino yango kaka. Ça, c'est mon point de vue aussi. Et puis, le point de vue qui a été prouvé par la population sur place, que la Monisco n'apporte absolument rien. Or, la Monisco continue à nous distraire. Et là, quoi, il faut que Monisco continue à distraire Bisso. La Monisco continue à nous distraire comment? Parce que, apport à Monisco, regardez. La Monisco est en train de partir à Zote Kababiloko, ce qui était supposé à Kolobake. Non, Babiloko oyo eko aide na gouvernement oyo totiki na babato batiki ba en place. Mais la Monisco n'aide que le gouvernement central et daka gouvernement anani ya ba provincial te. Ba gouvernement provincial na ba territoire na ba province oyo ezali la Monisco n'aide pas. Et vous allez remarquer que non, naba dialogue nabango, il se réfère toujours au gouvernement central. Donc, tant que le peuple à la base ne peut pas discuter, ne peut pas dire que non, Bino Bolongwa, ils ne peuvent pas partir sans que le gouvernement central aye bisabango bakanga bisakana bango. Or, le gouvernement central est à cause
Eza ko bomba na le fait ya koloba ke no toza na kati ya ONU bisonyo so toza nani tout ça nous sommes nous avons des accords que nous avions signés et que nous devons respecter ces accords internationaux tout ça Monisco ça fait 20 ans ezali wana quel est le rapport et le konino toki koloba ke no vraiment Monisco ndenge ezali awa et dakabiso une certaine portion de la population tout simplement atteint un dixième t Non, on va couper 0,05 la population. On est bénéficiaire quand on a ni à Monisco, les chauffeurs, tout ça, bateau, bas ça la canabana, mais la Monisco, c'est machine, moko ya mbongo, oh mbongo, ya oni ya kai puis quitter. Et puis dans le rapport, oh ya nani ya hold up. Vous avez entendu que non. À un certain moment, la Monisco remplit les caisses ya Babylon quoi ya Kabila. Donc, mes chers amis, connaissez-leur pas, la Monisco ne nous sert absolument à rien. Na eloko oyo, Monisco est sale la kabiso eloko mon côté. Et c'est ainsi que la population est en preuve belé que non, Monisco est continué à kapona kona, pona ko attiser ba Babylon, ko na ba génocide, ba massacre, tout ça. Monisco est collabora quand même na ba ennemi oyo ba, disons ba troupe oyo anani oyo ba troupe négatif. La Monisco collabore avec eux. Et c'est ça le comble justement. Alors, vous alliez suivre Bolandaki, je crois. Tangu likambo o ya beni ba sitting wane zalaki, nous avions, le Nord Kivu avait une résolution. Résolution wana ekendaka tope saka yango kutu na président de la République. Le président de la République, je ne sais même pas s'il a jeté un coup d'œil sur cette histoire-là. Parce que, batunaye o baza ko imposé Monisco zalakuna, ils ne sont pas encore prêts pour que Monisco longwa. C'est ainsi que ba justifia ka ba présence na bango na ndenge nini na sens nini que non tangwe komi kaka na deuxième partie ya année oyo il faut que ne ko renouveler ba biloko na bango okoyoka ba massacre bandi déstabilisation lissous ya est ba biloko belé bandi kuna alors on se pose la question allons-nous continuer avec cette histoire ici allons-nous continuer à subir les mêmes histoires Que doit faire Félix, notre président? Et c'est là la conclusion que j'ai toujours amenée dans ma émission, dans la contribution au Tortolo Barakino. Contribuons quand même, donnons nos points de vue pour la reconstruction en Mboka Nabiso. Dans les résolutions que les enfants de Beni et du Nord qui vous avaient données pour que le massacre ici là, La première des choses était le départ effectif de la Monisco. Parce que Monisco est servagananga en rien. Mais puis la population a des preuves que non. Monisco n'étangue koleka. Ah, boyoka quand même, baba. Babiloko ezole kana kote ici, rokuna. Ce qui Monisco a le kika kakoto, boye baka ke non, massacre fezala. Ça, ce sont les témoignages de la population. La population lobaka. Alors. Décision ezalaki nini ezalaki que non Monisco ekende sans condition faut Monisco kangabilo kona bango bakende nous avions dit comme le gouvernement central n'a pas la capacité à ko maîtriser ba élément na bango nous avions demandé à ce que toute ba force ba faire des scènes biso bazala cantonné d'abord que les phares de ces soient cantonnés Bazala dénombré et puis Bazala fait former l'issoussou. Réforme en akati armée. Nous avions demandé à ce que Elo Kwane Zalayami Bale. Troisième point qu'on avait demandé, c'était la création d'une police de proximité tenue par les enfants des villages et des villes de ce territoire là où se passe le massacre. Il fallait Bana. Yamboka bas bango moko ba tenir balanda balande la sécurité na bango en attendant que tozo réorganiser armée pour un déploiement effectif na tango ya ko récupérer autorité à l'état parce qu'aujourd'hui à partir à sud nalo bakuto à partir à Lualaba l'autorité de l'état n'existe pas L'État n'existe pas. On écoute à ma place Moussou sous les thèses à la carte. Nos secteurs sont devenus comme des histoires comme ça. Ma groupement fonctionne à Kanango et à Ngomoko.
il n'y a pas d'autorité à ce lieu à ce qu'on tozo le bakeno batunyon so baby kaka keno wanandenda kwa l'état oh boy boy ezalakate ça ne se ça il n'y a rien. C'est comme ça que nous sommes dit na troisième point on attend la création anani ya police à proximité oyo to ko accompagner yango na ba mesures administratives. Quelles étaient les mesures administratives que nous prenons ici? Administrative auto za koprone a po e kozongi sa autorité à l'état ezali convocation ya ba oyabanani ya ba état de lieu ya ba territoire ba territoire na bango tant quand les forces les fers de ces seront cantonnés la convocation des états de lieu convoquant banani ba autorité nyonso ba chef ya secteur ba chef ya groupement ba nyonso tout ba chef ba tribu o ba notable à chaque tribu o ba vanda kana ba territoire wana ba kutani chaque territoire par exemple na Nord Kivu côté à Beni kuna bango nyonso tout na ba chef ba tribu o toyebi kezala kana Beni bakutani na salle moko par exemple ata bazaso ki 400 ta soki 300 batuana ba se diviser ba ya ba commission batali eza la conférence moko ya réconciliation oyo pouvoir ekozala ba résolution ya ba conférence wana ekozala effective batuana ba sentir que le peuple à la base puisse commencer à sentir une certaine appropriation ya ba biloko na bango nyonso. Va réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que bango moko ba zwa sécurité, bango moko ba contrôler l'économie, bango moko ba se contrôler, ba sa la recensement, ba sa la identification à la population. C'est ça, wana nde masolo, o efo ebetama na wapi, ebetama na nani na kati ya ba conférence wana, ba nani wana ba état de lieu à ba territoire. Alors, c'est pour cela que je disais que solution oyo ekoki kozala solution moko appropriée kaka pona nord ou bien na iturité na bana. Ça doit être une solution globale pour toute la République démocratique du Congo. Parce que le même problème qui se vit là-bas, eza le même problème parce que autorité à l'État ezalité. L'État n'a pas d'autorité, l'État ne contrôle pas les territoires. Or, l'État c'est qui? L'État est ba na mboka o ba vandi kuna. Ce qui ba na mboka ona ba vandi ba lobi awa biso tozala ka combien awa na kati ya nani? Tosa la recensement. Et c'est là le rôle que nous avions dit que non, président de la République à lelo, il fallait abandonner la wana. En venant au pouvoir, et ce n'est pas encore trop tard, il peut toujours le faire. En venant au pouvoir, il fallait abandonner la wana koloba ke non. Et le motuya o efoto sala awa na République démocratique du Congo, c'est d'abord l'identification du peuple congolais. Comment est-ce que nous pouvons y arriver? Tozana besoin na nwa mbongo te. Le peu d'argent que nous pouvons avoir en caisse à l'État, to tia yango, to tindika yango, na ko organiser ba état de lieu ya chaque territoire où les enfants de fils et filles ya ba territoire na ba kovanda ensemble ba lobi bon. OK, awa o ezamboka na biso. Biso nyoso tout au lingimbo kanabiso ezala na kimia. Qu'est-ce qu'il faut?
batu nini yango basalaka kokoso nini yango salaka ke no tozala na na kimia te awa. Alors ces gens là doivent se réunir ensemble balobi bo sécurité na biso ekozala teni na batu nyoso tu ya ba tribu na biso les quatre tribus. Comment nous allons faire? D'abord, une police de proximité. Oyo, eza ko réunir bana nyoso aba yabanani aba tribu nyoso. Mes chers amis, je vous dis, tant que nous éloignerons les tribus, na solution ya Congo, toko zwa ka solution te. Ce sont là les composantes, même na article 10 ya compris, ya constitution na biso lobaka. Les gens me disent que non, eba makambo ba tribu. Moi, je vous dis que c'est par là où se trouve la solution de notre pays. Mboka na biso solution na ngoza wana, eko bandela wana. C'est par là que nous allons commencer. Batribi, toyebi, batribi, na biso, toyebi, qui fait quoi na kati ya République démocratique du Congo. Tant que nous allons commencer à nous éloigner de tout ça, y makambo batribi, toko zalaka toujours à côté de la solution. Alors, ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, tant que tu as déjà sali, état de lié, qu'est-ce que les états de lié de territoire vont dégager? Ils vont dégager un consensus entre le peuple habitant sur leur territoire. Bakoye bandengeni nibaza ko kendele na bamab, na banani na bango, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont arrêter? Donc, ils vont s'approprier de l'autre. De la direction ya territoire na bango na chaque territoire to yeba nani yango ko sala nini démocratie to bandi yango na ndenge wana ya na c'est pour cela nous nous sommes dit pona kokoma wana il a fallu que président d'abord a supprimé ba assemblée nationale na sénat wana banane atika la kaka na ba ministère. Donc les histoires là de l'assemblée nationale na babiloko wana a cassé ngo nanu en remettant le pouvoir ya ba assemblée na kati ya ba assemblée na kati ya ba ya ko convoquer banani ba état de lieu ba province. Les commissions ou bien les conférences auront le pouvoir de nommer les gens qui iront na territoire ba kendeti na région parce que ba résolution wana oyiko salema na territoire chaque territoire ekoya sikoyo kozwa ba biloko wana ekena ngo na niveau ya région ya ba province. Donc les provinces qui ont 4 5 territoires ils auront à avoir ba 4 ou 5 ou 6 assemblées selon la grandeur de nos provinces ba kokutana ba harmoniser ba texte na bango qui constituera la constitution, la nouvelle constitution que nous devrions faire, que nous devrions réécrire yambo kanabiso. Constitution nabiso, il faut que nous et c'est le moment maintenant. Il faut tout réécrire, il faut que le peuple congolais puisse réécrire. Et comme on a niveau il y a province, alors na province wana pesiko bango moko na oba twana tokotinda kuna ba komite tamiser les sous balobi bo ba résolution oyo bango sikonde ba kokende na niveau ya ba province et que sikona niveau national où ceux qui seront là seront maintenant proclamer que batu oyo nde ba député asika. C'est ça le renouvellement au fait ya classe politique na biso oyo eza ko uta pratiquement na base na biso eza ko kende batu wana eza ba député te pour l'instant. À ce moment là ce sont les idées ba résolution wana na batu wana pe to tindiki kote kuna na province et puis ba province tindiki bango na ndenge wapi na niveau national. Au niveau national maintenant on va harmoniser le texte batu ba kwa harmoniser texte et puis to tinga ngona référendum batu ba voter référendum to réécrire constitution asika et constitution à ce moment-là nous aurons bena à savoir que non ba région na biso ba administration na biso de base ko bando diriger boy. C'est ainsi que moi je disais que non aujourd'hui si le gouvernement actuel peut se tromper en disant que ils vont faire des projets ou bien ils vont entreprendre ba projet na katia ba assemblée et ba katia ba territoire les 145 territoires ça ne pourra jamais ekosimba katé puisque consensus nan na katia territoire ezwami na noté. Là où il faut commencer, et tous on a besoin, mon côté, mais tous on a besoin, il y a idéologie nini,
quel est le nouveau système que nous voulons implémenter pour que tant que mbongo koya toyeba toko sala nini na mbongo o exacto salema. Parce que chaque territoire, ils vont réfléchir ba koyeba nini ango eza primordial awa, qui doit faire quoi toko manière na biso a ko voter, comment nous allons faire commencer à contrôler ba dépenses na biso au lieu que IGF, Mokwane, Utaka, Soki na Kinshasa yaka ko contrôler. C'est ainsi que nous nous sommes dit likambo oya koloba ke lelo to stock banda ko financer ba territoire ekosimba kate na niveau oyo. Il faudrait d'abord que le consensus na territoire ezwama. Ça c'est ça la réflexion otoza koloba otozo loba ke no ba 145 territoire na biso batuba kende kuna ba solola. Kuna toko lo solo la likambo ya nationalité toko solo la likambo ya sécurité toko solo la tout, presque tout ce qui les éléments osa na kati ya constitution. Quelqu'un m'a posé la question à Tuninga et Germain, est-ce que ça peut prendre combien de temps loko wana avec la volonté politique ya batu oto lingito bongisa mboka na biso. Je ne vois pas loko wana ezwa biso plus de 3 mois. Je ne vois pas na monité à moins que to linga to politisé ango lisusu. Mais si c'est pour qu'on reconstruise notre pays, batu bakoki ko vanda na 3 mois basilisi na 4 na ba conférence wana ba état de lieu et que ba résolution ya solo solo bimi kuna. Comment ça sera financé? Ça sera financé après que batu bakisha ikala. Les gens ont déjà se sont déjà mis d'accord balobi bon OK, nous allons commencer notre conférence qui va siéger sur l'état des lieux de notre territoire. Qui seront là? Batu otangu composition na nyo sosie salemi. C'est dès lors qu'on peut commencer à voter en disant que non, nous aurons par exemple 300 personnes qui participeront. Et c'est, parmi ces 300 personnes, comment ils sont choisis? Ce sont les chefs de ces secteurs, les chefs de groupement, ba chef wa banani ya ba territoire wana nyoso. Pour que to constitue lokwana et puis à ce moment-là de tokoya ko toki ko lobano on va donner par exemple $500,000 à chaque territoire pour na état de lieu à bango ba ça la forme moko ya conférence wana pour que ba dégager biso et loko moko document moko oyo et ko réfléchir sur toutes les histoires oyo ba kokene nango na province et que na province tango ba kokutana na province peut to voter budget msusu wana kozala ka compilation na harmonisation ba texte et puis nous avons le texte principal qui partira à Kinshasa oto ko harmoniser na ba biloko nyonso ba 26 provinces na biso. Voilà un peu na suki awa lelo. Bozo ko remarke ke ba sujet nanga naza ko kata yango. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait l'idée. Nakoki ko sala yango mbala moko na nanani mon côté. Et comme nous venons de temps en temps pour d'une manière un peu irrégulière, c'est pour cela naza ko kata ba émission. Donc l'idée et la matière est en ango zate ke toke. Notre absence, je vais encore le répéter, absence de biso régulier journalier quoi, et ça justifié du fait que nous sommes en train de préparer un truc que nous allons rentrer, nous allons lancer l'année prochaine. Et là quoi, n'est-ce pas qu'on s'engage biso temps. Vraiment, y'a un gars bon, vraiment bon, excusez-moi parce que année prochaine, vers le mois d'avril, mars avril. Nous devons lancer le produit là, Eza Eloko Moko Ekozala Kitoko Pel Susu, pour notre pays. Merci beaucoup, on se revoit en tout cas très prochainement dans un nouveau numéro, espérant que beaucoup s'abonnez, vous qui n'êtes pas encore abonnés, j'allais oublier, abonnez-vous, partagez nos émissions, continuez à vous abonner. Pourquoi? Parce que bah, abonnement, on a exactement la visibilité, yanani ya ba vidéo na biso. Même si tu ne partages pas, mais si vous vous abonnez, et qu'on sa la biso, qu'on peut sa émission na biso poids, laissez beaucoup de j'aime, soko lingi, soko linga ki, tiatamwa, et là, comment qu'on a, faites un signe, c'est ça le feedback que YouTube, naba Facebook, naba manan msusu, surtout ceux qui sont sur Instagram, vous voyez comment est-ce que tozo explosé na Instagram, tozo to komi musika kole quand même YouTube na Facebook. Na Instagram, malheureusement, Tozala kana condensé à ba émission. Mais vraiment, bato bazan Instagram, nous avons beaucoup de gens, plus que sur YouTube, et même si je ne comprends pas, mais c'est ça que je suis en train de vous féliciter. Je dis merci beaucoup en tout cas. Je suis très content que
émission au Ezako qu'on intéressait bino. Alors, on se retrouve très prochainement dans un nouveau niveau. Portez-vous bien. Au revoir.